Bienvenue sur chaîne Curiosité Informatique là, dans formation ça qui va aider nous faire premier pas nous dans Publisher. En fait, Publisher c'est un logiciel de publication qui aide nous réaliser des projets graphiques très rapides tant que badge, calendrier, carte visite, carte mariage et nous capable dire carte invitation pour n'importe quelle circonstance. Donc dans formation ça, nous va réaliser calendrier ça ensemble. Et vous pouvez voir que nous prenons moins de 2 minutes pour nous capables faire ça. Et c'est là tout intérêt pour nous capables utiliser Publisher Chita, c'est rapidité. Donc si vous faites arriver sur le channel Curiosité Informatique, nous vous demandons pour pause vidéo et abonner Kounia. Il y a une façon pour ne pas rater la vidéo qui sorti sous même prince avec un pilote sujet encore. Ok, nous avons déjà lancé Publisher. Donc pour les gens qui ne connaissent pas une façon pour lancer Publisher, vous êtes capable de regarder la formation que nous avons fait qui venait avant. Ou bien cliquer dans le ISA en l'écran pour capable trouver formation ça. OK, lorsque nous lancer Publisher, n'a pour écran d'accueil divisé en deux colonnes. Colonne gauche là lui-même li affiche nom logiciel là ensemble avec document récent qui ont fait travail et colonne droite là lui-même li affiche catégorie modèle yo. Donc nous avons plusieurs catégories là, nous avons catégorie annonce, bannière, brochure, bulletin, calendrier et latrier. Donc nous-mêmes, ça qui intéresse nous, c'est le calendrier. Le fait que nous avons dit nous dans la formation, ça nous allons aider à réaliser le calendrier. Nous avons montré nous auparavant. Nous avons fait deux clics sur la catégorie calendrier. Et là, nous avons des modèles intégrés qui nous proposent. Nous sommes capables de choisir pour nous tout faire calendrier par nous. Dans le cas nous, le modèle que nous avons choisi, c'était réduit fine. Ici. Donc nous faisons un clic et nous avons proposé nous là sur aperçu. Et dans aperçu, nous avons une possibilité pour nous commencer à toucher le calendrier nous. De manière rapide, là, nous avons choisi une catégorie de couleurs. Par exemple, là, si nous avons une catégorie, par exemple, fleurs sauvages. Ok, nous voyons que nous avons un changement de thème qui est en fait. Mais là, nous gagnons seul mois sous feuille. Dans le cas panouan, notre panouan, c'est 12 mois qui gagnent sous feuille. Là, nous venons ici, nous avons coché une année par page. Et voilà, nous aperçoit que nous gagnons 12 mois sous feuille. Et nous avons tout le modèle YouTube qui a changé en 12 mois. Et voilà, nous avons tout simplement cliqué sur créer. Et calendrier, nous avons créé. Et nous tout basculer dans l'interface Publisher. Alors, dans l'interface Publisher, on a pour que respecter présentation logiciel gamme officieux. Par exemple, nous avons un fichier qui peut toujours permettre de nous enregistrer. Si nous cliquons sur fichier, l'ensemble de choses qui ont rapport avec fichier qui est toujours là. Onglet est toujours là, l'onglet accueil, insertion, création, public, postage, révision, affichage. Et nous avons aussi les groupes qui sont toujours là. Par exemple, groupe presse papier, groupe police, groupe paragraphe. Et nous avons aussi les commandes qui est toujours disponible dans le commande gras, italique, souligné et latrier. Une petite remarque importante, si toutefois tu as fait calendrier par là, et où elle pas tout généré automatiquement à nous que nous la donnons, vérifiez date ordinateur là. Parce que Publisher fait calcul à partir des dates ordinateur là, les mêmes les trouver là. Donc si ordinateur a date, donc là tout généré date là via ordinateur pour être capable d'afficher pour vous dans Publisher. Donc voilà, si que moi changer date ordinateur en 2023, l'a tout affiché en calendrier 2023 et l'a tout fait calcul là pour connaître si c'est une année ordinaire ou bien si c'est une année bisextile. OK, même si c'est automatique que Publisher lui-même lui présenter au modèle, ou gain possibilité pour capable modifier ou bien capable personnaliser dans le sens que vous voulez. Par exemple là, c'est vrai il déjà généré il mettait 2022. Donc si nous voulons nous capable changer texte ça, nous capable mettre par nous. Par exemple, dans le modèle par exemple, EI tiret 2022. Donc ça veut dire capable cliquer dans zone de texte et puis modifier texte convenablement. Par exemple, vous capable mettre texte là en gras. Vous capable changer couleur texte là dans couleur de police. Et voilà, ouais, nous capable modifier, nous capable personnaliser le genre nous voulons. Nous avons possibilité également pour nous capable changer couleur de fond hein, aussi. Cette fois, si nous cliquons sur fond hein, nous allons dans format et nous sommes capables de commencer à choisir le remplissage que nous avons besoin pour arrière-plan. Donc nous allons changer la couleur que nous voulons. Ouais. Donc c'est très facile. Donc en gros, c'est vrai qu'il est généré forme pour nous de manière automatique, mais il est totalement personnalisable.
Par exemple, nous capable changer aussi photo ça que ban nous par défaut là. N'a juste fait clic droit sur n'a sélectionner image là. N'a sélectionner image là, n'a fait clic droit sur lui. N'a prend modifier l'image et n'a cliquer sur modifier l'image. Alors là, si nous sur internet, n'a tout gain accès pour nous chercher une image sur internet, c'est ça qui m'a qui réussi, c'est parce que nous pas en connexion. Et ici travail en connexion, c'est possibilité pour nous prendre image que nous gagnons sur ordinateur. Par exemple, si nous cliquons sur travail en connexion, ici moi capable prendre une image que nous gagnons sur ordinateur et puis moi insérer et voilà nous capable modifier image que lui-même lui proposer nous. Qui j'ai pour capable enregistrer travail moyen au format final. Et bien pour capable enregistrer dans format final, n'a m'a juste aller dans fichier moi point enregistrer là. Ou bien moi ca juste faire ctrl plus s pour m'enregistrer, m'a le même résultat. Donc finalement m'a utilisé même méthode d'enregistrement au parcouru et me choisi un côté pour capable mettre. Par exemple, moi voulais mettre pas dans image et pas dans les compositions. Par exemple, moi voulais changer le nom, m'a le calendrier. Ensuite, m'a choisi comme type de format JPEG. Donc format final dans publisher c'est JPEG et finalement nous cliquons sur enregistrer et voilà travail nous enregistré. Donc on y a si malin dans image, malin dans image bien rapide, ma voix qui travaille moi enregistré bel et bien qu'on y a les preuves capable publier n'importe où sur réseaux sociaux, soit capable imprimer sur papier et la trier. Donc c'est la formation, ça prend fin. Si toutefois tu as un souci, pas hésiter, faites pas de ça dans commentaire, et comme ça, on est vraiment content et aider. À tout à l'heure pour une autre formation.